N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Doux, attentionné, vif, fidèle, le chien a fait sa place dans la vie de l'homme il y a des centaines de milliers d'années pour ne plus jamais en sortir. Depuis l'aube de la civilisation, les liens tissés entre l'homme et le chien sont uniques et ne cessent de se resserrer. D'ailleurs, c'est le seul animal qui a pu véritablement être domestiqué et qui est resté un compagnon de l'homme. Que vous soyez un amoureux du monde canin ou que vous souhaitiez découvrir de nouvelles races, dans cette vidéo, nous vous présenterons notre liste des 5 races de chiens les plus belles que vous aimeriez avoir. Souvent confondu avec le husky sibérien, le malamute de l'Alaska est marqué par une ossature plus forte et une musculature plus développée, mais encore moins fougueux que ce dernier. Le malamute de l'Alaska est l'une des races de chiens de traîneau nordiques les plus anciennes, et il se distingue par sa queue portée haut et en panache. Son port de tête haut et fier accentue son élégance naturelle. En voie d'extinction, il a été importé aux États-Unis où la race a été développée. Il est adapté aux conditions climatiques rudes et peut supporter les conditions hivernales rigoureuses à merveille, mais a plus de mal avec les grosses chaleurs. À l'origine, le nom malamute dérive de celui de la tribu des Malamutes, indiens du nord-ouest de l'Alaska qui utilisaient ce chien aussi bien pour leurs déplacements que pour chasser ou pêcher. Aujourd'hui, le malamute de l'Alaska est devenu un animal de compagnie affectueux et dévoué, même s'il garde un caractère fort. Intelligent et calme, son éducation se révèle assez aisée. Le malamute de l'Alaska est un très bon sujet à l'allure nordique, robuste, endurant, affectueux tel un chat et doté d'une santé éclatante. Naturellement, le malamute est un chien très versatile et peut être très heureux comme chien de compagnie pour peu qu'il ait un propriétaire actif qui pratique beaucoup d'activités de plein air. Il ne faut cependant pas oublier que le malamute de l'Alaska est aussi un chien indépendant qui croit dominer tout et tout le monde dans son milieu. Ainsi, il faut que son maître soit ferme et constant avec lui, sans quoi le chien risque de devenir difficile à contrôler. Contrairement à ce que l'on peut imaginer à première vue, il ne s'agit pas d'une nouvelle race de chien. Plus encore, le panda d'Aïd Shosho n'est pas issu d'un croisement entre un panda et un Shosho. Aussi frappante que puisse être la ressemblance constatée entre un bébé panda et le panda d'Aïd Shosho, ces derniers ne sont que des chiens de race Shosho grimés pour ressembler à ces ursidés noirs et blancs. L'initiative de badigeonner ces chiens pour les faire ressembler à des bébés pandas incombe au gérant d'un café pour animaux de compagnie en Chine. Alors que les pandas vivent en principe dans des réserves naturelles ou des zoos, une courte vidéo diffusée via internet sur le site d'information locale Hongqing News, montrant des visiteurs en train de caresser ces chiens pandas, n'a pas été sans susciter une vive controverse dans les médias, et parmi divers intervenants à l'échelle internationale et paradoxalement au niveau local. Encouragé par son succès, le gérant du café choisit alors de poursuivre sa lancée et propose désormais des services de teinture pour animaux de compagnie. Dans un communiqué publié par le café sur le réseau social chinois Weibo et relayé par le quotidien britannique The Guardian, le gérant du café indique qu'il a relooké ses chiens à l'image d'un panda pour se démarquer dans le très concurrentiel marché local des cafés à animaux. Importé du Japon, le colorant noir utilisé pour faire ressembler les chiens Shosho à des pandas est sans aucun impact négatif sur leur santé ou leur bien-être. C'est en tout cas l'argument avancé par le gérant du café pour se défendre. La déclaration d'un vétérinaire, Li Daibing, publiée sur le site d'information Hongqing News, va à l'encontre d'une saine teinture. D'après ce dernier, une telle coloration pourrait endommager la fourrure et la peau de ces adorables boules de poils à quatre pattes. Mais en Chine, les fans des chiens teintés n'en ont cure et se précipitent régulièrement chez ce gérant de café pour avoir leur petit chien customisé. Au-delà de son allure de gros nounours, le bouvier bernois est connu pour être un chien relativement intelligent et énergique. L'un de ses attraits de chien de famille est son caractère doux, ce qui en fait un animal de compagnie apprécié, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Il est reconnaissable par son beau pelage tricolore, noir, blanc et roux. Des taches rousses sont présentes au-dessus de ses yeux, sur ses joues et ses pattes. Comme son nom l'indique, cette race très ancienne est originaire de Suisse, et plus précisément du canton de Berne. À l'origine, il était de préférence utilisé comme chien de trait dans les Préalpes au sud de Berne, d'où son appellation « cheval du pauvre ». Il avait aussi pour rôle accessoire de garder les fermes. Son poil a une capacité auto-nettoyante, c'est pourquoi un bain par an suffit pour ne pas détruire les caractéristiques de son pelage. En période de mue, des brossages quotidiens sont par contre nécessaires. En dépit de sa capacité d'adaptation à tous les types de lieux, le bouvier bernois a besoin d'espace. Ce n'est donc pas un chien d'appartement. Sans compter ses promenades hygiéniques, il apprécie tout particulièrement les activités de plein air calme, comme par exemple la randonnée pédestre. Très attaché à son maître, le bouvier bernois n'apprécie pas d'en être séparé. Le bouvier bernois est sujet à des pathologies liées à sa très grande taille, comme la dysplasie de la hanche et le syndrome de torsion de l'estomac. Il est aussi très exposé au risque de cancer et son espérance de vie est inférieure à la plupart des autres races.
Le Sheltie est un petit chien de travail d'une grande beauté, en aucune façon lourd ni grossier. Son poil de la face est court, mais il est long et droit sur le reste du corps, et particulièrement au niveau de la crinière, du jabot et des membres. Le Shetland, surnommé affectueusement Sheltie, est un petit chien harmonieux au corps gracieux. Il est aussi intelligent, actif et plein d'entrain. Il fait partie des compagnons à quatre pattes les plus simples à éduquer, mais il peut néanmoins se montrer têtu en raison de sa sensibilité. À l'instar de nombreux chiens de berger, le Shetland a une tendance naturelle à mener le troupeau et peut chercher à regrouper tout ce qui bouge, des petits-enfants jusqu'aux voitures. D'un naturel protecteur, le Shetland peut se montrer méfiant vis-à-vis des personnes étrangères à sa famille et les accueille en aboyant à profusion, ce qui en fait un bon gardien. Une socialisation précoce est à même de réduire les tendances de timidité inappropriée et de signes d'agressivité en présence d'étrangers. Le Shetland, ou de son nom complet le chien de berger des Shetland, était auparavant connu sous le nom de Collie des Shetland. Ce chien est originaire des îles septentrionales de l'archipel britannique, les îles Shetland. Affectueux et toujours prêt à plaire, il est également un adorable animal de compagnie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il est passé souvent à tort pour un petit Collie à poils longs. Bien qu'il s'agisse de deux races distinctes, leur ressemblance est importante. Le Shetland est un chien athlétique et généralement en bonne santé. En revanche, comme son cousin le Collie, il a une tendance à développer des maladies, notamment une forme de malformation due au syndrome Merle. Le développement de cette pathologie héréditaire, traduite entre autres par des anomalies du développement et des troubles de l'audition, peut risquer de compliquer sa prise en charge. Le Whippet est un chien à l'allure athlétique qui dégage une impression d'élégance et de vigueur. Il se distingue aussi par son caractère équilibré et sa discrétion. Sa physionomie se distingue par la présence d'une courbure au niveau du rein. Le Whippet est facile à vivre en raison de son calme et son adaptation à tous les modes de vie. Il est aussi fidèle et attaché à ses maîtres. S'il a des origines très anciennes, le Whippet est une race relativement jeune. Et pour cause, elle n'a été reconnue qu'en 1900. De plus, la sensibilité n'est pas son fort. Toutefois, il peut tout à fait s'entendre avec les enfants, mais ce n'est pas un joueur invétéré. En dépit de sa nature dynamique, le Whippet s'adapte parfaitement à la vie en appartement ou en maison. Il se plaît aussi bien à la ville qu'à la campagne. L'essentiel est qu'il puisse courir régulièrement et profiter de promenades fréquentes. Cependant, au-delà de sa force équilibrée, sa puissante musculature et ses lignes gracieuses, le Whippet a des particularités comportementales. Et comme tous les autres chiens, il déteste être laissé seul. Et s'il l'est, il exprime son insatisfaction de diverses manières particulières, alors que son besoin d'attention n'est pas fort. Le Whippet est aussi un gourmet. Il est capable de refuser catégoriquement la nourriture si ce qu'on lui propose ne lui plaît pas. Côté santé, il ne développe pas de pathologie spécifique, mais après les courses, il faudra surveiller les éventuelles blessures osseuses, articulaires ou musculaires. Élancé et élégant, le Whippet est un chien taillé pour la course, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi unanimement reconnu comme un excellent compagnon. Peu aboyeur, c'est un chien qui préfère écouter plutôt que s'exprimer, attitude que l'on observe très vite lorsque l'on tente de lui apprendre des ordres. Le Samoyed est un chien de taille moyenne, de type Spitz. L'impression de sourire émanant du Samoyed résulte de la combinaison de la forme et de la position de l'œil et des commissures des lèvres légèrement retroussées. Issu du monde des chiens de traîneau, il est le premier chien nordique réellement connu. Apprécié pour son endurance et énergie débordante, le Samoyed a été utilisé en tant que chien de traîneau par les tribus samoyèdes de la Russie septentrionale et de la Sibérie. Ce chien blanc ne dispose pas du naturel possessif d'un chien de garde, ne témoigne pas d'une agressivité vis-à-vis des inconnus et ne refuse jamais une caresse. Et même s'il n'est pas un bon gardien, il est très vif et garde sa jovialité jusqu'à un âge avancé. Si son abondante fourrure blanche et sa beauté permettent de situer avec certitude ses origines, en revanche, elle cache les rigueurs d'un caractère aussi têtu que peu obéissant. Impossible d'avoir une coopération spontanée et optimale de cette race lorsque le climat de confiance fait défaut avec son maître. Et que ce soit avec les humains ou ses congénères, le Samoyed a tendance à s'exprimer en aboyant. Doux et affectueux, il se distingue par son amour prononcé pour les enfants. Réputé pour ne présenter aucune pathologie héréditaire, le Samoyed ne tombe que très rarement malade et possède une bonne espérance de vie. Néanmoins, il convient de faire attention aux affections biomécaniques complexes qui touchent l'articulation de la hanche, telles que la dysplasie de la hanche, et donc modérer son activité physique les premières années de sa vie. L'ennui est le pire ennemi de ce chien très dynamique, sportif et avide d'activité. Et par suite, ses conditions de vie ne sauraient être qualifiées d'idéales que si ses besoins de dépenses physiques, olfactives et sociales sont correctement comblés. Mais de simples promenades quotidiennes sont loin de suffire pour favoriser son équilibre et son bien-être. Du fait de son poil double abondant, le Samoyed fait preuve d'une grande endurance, ce qui lui permet de supporter très bien les climats rigoureux de l'hiver, mais nettement moins les fortes chaleurs. C'était les races de chiens les plus incroyables du monde. Laquelle vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Eh, ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain !